Madame Egorova a été peut-être la rencontre la plus importante de ma vie. J'avais 5 ans et je dansais déjà depuis que je marchais. Vous me direz, tous les enfants peuvent danser. Mais moi, j'avais véritablement la passion de la danse. Et je demandais toujours à maman, amène-moi chez la dame qui apprend à danser. Et un jour, était-ce la chance ou un signe, le curé du village à Samoins dans la montagne m'avait demandé de participer à sa fête. Et j'ai inventé une danse, donc à 5 ans, et dans la salle, il y avait les pianistes et compositeurs de Serge Giffard, Sonia et Nicolas Stein, qui travaillaient beaucoup avec lui. Quand ils m'ont vu danser, ils ont dit à ma mère, il faut absolument qu'elle aille chez un grand professeur qui est Madame Egorova. Alors j'ai eu de la chance parce que si on commence mal la danse, si on a un mauvais professeur, eh bien en fait, on en est imprégné toute la vie. Parce que le corps prend des mauvaises habitudes et pour extirper les mauvaises habitudes dans la danse, c'est extrêmement difficile. Donc on ne connaissait pas le milieu de la danse et heureusement, on a eu la bonne adresse. Nous voilà au fameux 15 rue de la Rochefoucauld. Là, c'était le studio de Madame Egorova. Quand on rentrait dans cet établissement, on aurait dit le temple de la danse. Pourtant, le studio était petit, pas du tout comme les grands studios actuels. Il n'y avait pas de tapis de sol. C'était un plancher qui ne glissait pas, heureusement. Il y avait quand même des barres et des glaces. Et une cheminée où il n'y avait pas de feu, qui faisait assez froid, et malgré tout, il y avait la statue, plutôt le buste, de Anna Pavlova. Mais on ne faisait pas attention à cela, parce que la personnalité rayonnante de Madame Egorova, c'était un être solaire, embellissait tout. Alors, comme je viens de voir le film Black Swan, je dirais que c'était la démarche était tout le contraire, parce que ce n'était pas un chemin de croix, c'était un chemin de lumière. Et Madame Egorova
Aussi, et ça c'est important de le dire, il y a beaucoup de choses à dire sur elle, les mots se bousculent dans ma tête, nous a montré une chose très importante, c'est que l'effort n'est pas une souffrance, mais une joie. Regardez, si on prend un alpiniste, quand l'alpiniste monte sur une montagne glisse, il risque de tomber à chaque seconde. Il s'agrippe avec les mains et c'est extrêmement difficile, mais il est content de faire ce qu'il fait. Et quand il arrive au sommet, il exulte de joie. Et s'il n'y avait pas eu l'effort avant, eh bien, il ne serait pas aussi heureux. Dans la danse, c'est la même chose. Moi, je dis souvent à mes danseurs, ce qui compte, c'est le chemin, c'est-à-dire le chemin pour progresser, parce que d'une part, on se dépasse soi-même, et d'autre part, s'il n'y avait pas l'effort, comme je dis, il n'y aurait pas la joie de l'accomplissement. Ça, c'est important de le dire aux jeunes danseurs, parce que il ne faut pas que la danse soit synonyme de souffrance et tout, parce que sinon, à mon avis, vous me verrez autre chose. Parce que c'est un épanouissement. Alors, Madame Egorova nous a montré ce chemin, et chaque effort qui était une victoire sur soi, un dépassement de soi, était donc un plaisir et une joie. Mais on va revenir en arrière. Quand on est rentré rue de la Rochefoucauld, donc on a vu Madame Egorova, elle m'a regardée, elle m'a dit, je ne prends pas de si petite, mais on va essayer. Et effectivement, on a essayé, et là, je suis restée, elle m'a guidée pas à pas, et j'ai vraiment appris la danse avec elle, et je crois que j'ai travaillé avec elle pratiquement tout le long de ma carrière de danseuse. Là, il y avait de très grands danseurs, parce que sa renommée était étendue, c'était un professeur hors du commun. Il y avait des étoiles de la danse, comme Solange Farce, qui venait tous les matins, Lisette d'Arsonval, donc étoile de l'opéra. Il y a eu aussi Nina Viroubova, il y a eu Jean Babilet, il y a eu plus tard Wilfried Piolet, il y avait Maïna Guigoud, et il y avait Lifar qui venait prendre des cours. Et tout le monde se précipitait parce que elle savait tout sur la danse, et ce qu'elle transmettait était quelque chose de tellement précieux. Quand je suis venue, il y avait aussi des jeunes danseurs, dont Janine Chara, qui est devenue ma petite mère, Pierre Lacotte. Pierre Lacotte, avec qui, je m'en souviens, on dansait Gisèle ensemble, étant enfant, il me décoiffait pour faire la scène de la folie. Et Pierre dit que, étant donné que Madame Egorova avait une mémoire infaillible, qu'elle avait quand même travaillé avec Petit Pas, Ivanov, Fokine, elle connaissait tout le répertoire par cœur et pouvait le montrer, et c'est grâce à cet enseignement qu'il a eu envie de faire sa magnifique carrière, de restituer les ballets. Donc, Madame Egorova donnait une ambiance extraordinaire parce qu'il n'y avait pas de compétition. Ce n'était pas les compétitions avec les autres, il y avait une compétition uniquement avec soi-même. Et donc, chacun travaillait suivant sa propre force, et même des gens qui ne dansaient peut-être pas très bien et qui ne faisaient pas partie de ce que j'appelle des élus, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il y a peu d'élus dans la danse, peu de gens qui deviennent étoiles, étaient heureux de danser. Et moi j'ajouterais que même si on n'arrive pas au résultat escompté, danser est de toute façon un épanouissement et que tout le monde devrait le faire. Alors donc, elle donnait son cours à des étoiles et elle avait aussi son cours qui était ce que j'appelle le cours moins avancé. Elle n'avait pas réellement, quand j'étais là-bas, un cours d'enfant. Et moi, j'ai donc été évidemment dans le cours les moins avancés. Je me souviens encore que l'on regardait le cours qui était donc le premier cours, le cours pour les étoiles et les danseurs, vraiment qui étaient très très bien, par le trou de la serrure. Et on les voyait, on voyait aussi, il y avait Skibide aussi, il y avait aussi Algarov qui était un très bon danseur. Et enfin, tous des danseurs qu'on admirait, et on dirait peut-être un jour on arrivera à danser comme cela. Et dans son cours des moins avancés, là, évidemment, elle nous expliquait tout, et ce qui était très constructif, que c'est toutes ces corrections et ces critiques n'étaient jamais destructives ou. On était toujours encouragés par elle. Et ça, je trouve ça aussi très important. Chaque fois, ces corrections nous apportaient quelque chose et les critiques, on ne se sentait pas du tout lésés ou diminués. Au contraire, on savait que c'était pour nous. Et donc, elle faisait évidemment, et là je vais en parler plus tard, extrêmement attention à la technique, le placer et tout cela. Mais ce qui était important,
Elle introduisait tout de suite la dimension artistique et musicale. Et j'insiste là-dessus parce que je remarque quand même que quelquefois, quand je passe des auditions avec les danseurs, je suis étonnée de voir qu'il y a des danseurs qui n'écoutent pas la musique. Or, à mon avis, c'est absolument primordial. Parce que, effectivement, sa méthode pour les pas du milieu n'était pas de montrer un pas sans musique et ensuite de demander au pianiste de calquer la musique sur le pas. Elle écoutait la musique les yeux fermés, nous étions autour d'elle. Elle esquissait les pas donc avec les mains. Et donc elle inventait au fur et à mesure les pas tout à fait imprégnés de la musique et ensuite elle nous le montrait. Et donc nous étions obligés de nous rappeler, de mémoriser non seulement les pas mais la musique. Et ça nous obligeait à avoir une attention extrême, j'allais dire, de toutes les notes de la musique. Alors elle donnait une barre simple, mais c'était là qu'il y avait le placé des jambes, le placé du corps, mais aussi elle donnait une très grande attention, et ça aussi ça s'est un peu perdu, des bras. Elle-même avait des bras magnifiques, et les mains. Et je dirais une chose quand même, quand on voyait Madame Egorova, c'était donc une femme pas très grande, petite, elle avait, enfin quand j'y étais, elle avait déjà les mains un tout petit peu déformées par des rhumatismes. Mais quand elle nous montrait les mouvements, elle se transfigurait. Elle était tour à tour une princesse, elle était le cygne, elle était la sylphide, et ses mains étaient comme des fleurs. Parce que dès qu'on commençait la danse, enfin moi donc j'étais très jeune, après il y en a eu d'autres, elle nous montrait comment tenir la main. Alors je vais peut-être le montrer, petite, elle nous montrait de tenir la main comme ça. Et ce qui faisait qu'après on avait la main comme ça. Et dans tous les mouvements, la main était comme ça, donc elle était petite et comme une fleur. Tandis que maintenant, souvent, on a des mains comme ça. Et dans le classique, ça ne va pas du tout. Donc on prenait l'habitude de tenir la main comme ça. Et chaque mouvement de la main était expressif. Parce que, comme elle le disait, les bras étaient la mélodie. Et puis, de toute façon, le corps humain doit pouvoir danser du bout des pieds jusqu'au bout des mains et des doigts. Alors déjà, dès le premier plié qu'on avait à la barre, il y avait une coordination parfaite dans tous les membres du corps. Évidemment, comme vous savez, la danse est quelque chose de merveilleux, mais en même temps, c'est pas tout à fait, la danse classique n'est pas tout à fait naturelle pour le corps humain. Donc il faut placer les jambes en dehors, il faut placer, j'allais dire, la jambe de terre sur le petit doigt, il faut pouvoir être suspendu, enfin il y a énormément de choses qui se passent dans le corps, et je dirais aussi une phrase parce que je l'ai déjà entendue, je trouve qu'elle est complètement d'à côté. On dit quelquefois un danseur est bête. Je dirais non, pas du tout, parce que si le danseur est bête, il ne peut pas danser. Il faut qu'il réfléchisse à la maîtrise de son corps, et même si le professeur lui enseigne les choses, le travail personnel est essentiel, et justement, son corps est comme une machine qu'il faut organiser. C'est un petit peu comme un savant qui fait une recherche et qui arrive donc à coordonner tous les muscles, tout l'équilibre. Et ça, c'est sûr que c'est un effort quotidien. Tous les jours, il faut donc s'exercer. Menuhin, j'ai déjà dit, mais je redis, disait toujours que si il s'arrêtait de travailler un jour, il s'en apercevait, et s'il s'arrêtait de travailler 2 jours, le public s'en apercevait. Donc, c'était des exercices quotidiens pour habituer le corps à être dans la bonne position. Et comme je dis souvent aussi, à un moment donné, le corps devient plus intelligent que la tête. Parce qu'au début, c'est la tête qui réfléchit pour placer le corps. Et à un moment donné, le corps a pris tellement l'habitude d'être évidemment bien placé, parce que malheureusement, comme je disais tout à l'heure, on peut le placer mal, qu'il fait déjà les mouvements et on n'a plus besoin d'y penser. Donc, Madame Egorova, dans sa barre, faisait extrêmement évidemment attention et nous corrigeait dans tous les mouvements pour que l'on puisse être dans la position juste. Elle faisait aussi extrêmement attention à la musicalité, parce que là aussi, dès les pliés, nous écoutions la musique et c'était donc la différence entre les mouvements liés et les mouvements brusques ou rapides. Les allegros. Et dans les pliés, donc, nous suivions la musique, nous respirions. Ça aussi, la respiration est très très importante dans la danse. Et déjà,
Les pliés n'étaient pas seulement un exercice, mais c'était déjà de la danse. Ensuite, on avait évidemment les dégagés, qui étaient tout le contraire des pliés, puisque c'était des mouvements de précision. Et il fallait bien faire la différence entre ce lié des pliés ou de l'adage et la précision de l'allegro. Donc déjà, enfant, on savait cela. Ensuite, bon, on défilait toute la barre suivant la tradition que tous les professeurs suivent, les dégagés, les ronds de jambes, les temps du battement. Évidemment, elle nous faisait souvent lâcher la barre pour voir si on est vraiment en équilibre sur la jambe de terre. Et on travaillait aussi les demi-pointes, enfin tout ce qui fait, toute la base qui fait qu'un danseur, comme je dis, sculpte son corps. Mais elle avait donc aussi cette chose essentielle, et ça va se passer plus au milieu, et ça je tiens à le préciser, elle nous a aussi donné ce supplément d'âme qui disparaît peut-être parce que c'est aussi l'époque, étant donné que l'art est le reflet d'une époque, et qu'on est quand même dans une époque très pressée, où une époque on pourrait dire industrielle, l'époque d'Internet, tout cela. C'est très bien et au contraire c'est très utile et tout cela, mais quelquefois on a tendance à oublier l'intériorité et surtout on se dépêche beaucoup. Or le temps est important, c'est-à-dire il faut le temps au temps, ce qu'elle nous disait, pour assimiler les choses. On ne peut pas aller plus vite que la musique, et en plus il ne faut pas oublier que la danse et l'art en général, on s'élève par cette pratique. De toute façon, qu'est-ce qui reste quand les civilisations disparaissent? Eh bien, c'est l'art. Et en cela, on en avait vraiment conscience avec Madame Egorova. On savait qu'on était des privilégiés. Que être un artiste, malgré peut-être qu'il y a peu d'élus pour, comme je dis, pour arriver à danser ou à jouer des morceaux, etc. Mais le fait de le pratiquer, déjà, on est des élus. Et on a l'immense chance de faire ce qu'on aime. Et donc ce supplément d'âme que nous donnait Madame Igorova, on allait le trouver au milieu, tout de suite après la barre, il y avait l'adage. Or, dans l'adage, c'était pas n'importe quel adage. C'est là, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elle écoutait la musique, se laissait imprégner par elle. Quelquefois, il y avait des musiques de Beethoven, de grands compositeurs, elle avait de remarquables pianistes, il faut dire. Et ensuite, elle se laissait porter par cette musique. Et on l'a regardé, évidemment, comme je dis, il fallait tout mémoriser parce que les adages étaient très longs. Et ce n'était pas pour rien, d'ailleurs, que l'adage était long, parce que grâce à cela, tout de suite, on apprenait les enchaînements. Or, souvent, il y a des cours où les adages, où les pas sont assez courts. Je sais qu'il y a une question, qu'il y a beaucoup de monde, qu'il n'y a pas de temps et tout ça, mais ça a été très important parce que grâce à la mémorisation des enchaînements, personnellement, j'étais capable de danser sur scène très tôt, puisque à 11 ans, je dansais déjà avec Roland Petit et Janine Charin dans leur récital. Et cette habitude que l'on a de faire des enchaînements, parce que c'était déjà de la danse, enlève le pont qui est nécessaire actuellement entre les exercices qu'on fait au cours et la scène. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu des jeunes danseurs que j'ai mis dans mon ballet, en plus de professionnel, et j'ai été frappée de voir qu'ils n'étaient pas capables de danser des enchaînements. Ils pouvaient faire des exercices, mais donc il fallait un pont entre ce qu'ils ont appris au cours et ce qu'ils vont danser sur scène. Et j'avoue que ce pont, c'est un peu le travail que nous faisons avec ma compagnie, et d'autres compagnies le font aussi. Mais là, avec Madame Egorova, ça n'a pas été nécessaire parce que c'était déjà de la danse et le corps s'habituait aussi à avoir l'endurance pour des enchaînements assez longs. Donc l'adage, on le faisait quatre fois, et aussi, et ça Pierre Lacotte le rappelait, ces adages racontaient une histoire. On devenait une princesse, il y avait une histoire où on était délivré. Et vraiment, déjà, il y avait un thème. Donc, on était déjà préparé à danser plus tard, à des ballets comme le Lac des Cygnes ou Gisèle, etc. Et on suivait cela, et c'est pour ça que je tiens à dire que son cours était non seulement technique, mais artistique.
Alors, après l'adage, venaient, comme tous les cours de danse, venaient les petits sauts. Et là, elle nous montrait aussi, parce que la même chose, elle fermait les yeux, elle écoutait la musique, le faisait d'abord avec les mains, on était autour d'elle, et ensuite le montrait. Et là aussi, il fallait bien montrer le contraste, la différence entre, j'allais dire, la poésie, le lié d'un adage et la précision du petit saut. Elle insistait énormément sur le rythme, évidemment, qu'on ne soit pas en retard sur la musique et tout cela. Et mieux que cela, elle nous montrait ce qu'a d'ailleurs développé aussi Serpifa, qu'il fallait devancer la musique pour être vraiment en rythme. C'est-à-dire que quand on saute, il faut aller juste, j'allais dire, une seconde avant la musique pour retomber avec précision. Et tout cela, donc, on l'apprenait et aussi, évidemment, on développait la vélocité de nos mouvements et la précision. Alors, il y avait aussi autre chose, un exercice extrêmement difficile qu'on faisait et en fait qui venait après l'adage. C'était avant les petits sauts, c'était les grandes pirouettes. Et ça, j'en ai parlé, plutôt je l'ai montré aussi à l'hommage que j'avais fait à Madame Igorova, où c'était donc un hommage où j'ai montré son cours et le développement de ses exercices. Ces grandes pirouettes étaient très très difficile parce que bon, il y avait les tours, il y avait les grandes pirouettes, il y avait une endurance. Et le fait de le faire, là aussi, le corps était obligé de vraiment trouver son équilibre parce que c'est en fin de compte en faisant les mouvements qu'on arrive à trouver aussi les façons de le faire pour pouvoir le réaliser. C'est un peu comme Richter qui racontait que lui, il n'avait pas fait tellement de gamme quand il a appris la musique. Il a très vite joué des morceaux. Et le fait de jouer des morceaux l'obligeait à trouver des possibilités en lui, alors d'équilibre évidemment pour la danse, c'est autre chose pour la musique, mais de virtuosité pour pouvoir les accomplir. Mais sans oublier évidemment la base. Sans base, on ne peut rien faire. Alors, ces grandes pirouettes où j'avoue, là, on avait tous beaucoup de mal, surtout quand on était débutants, peut-être qu'on tombait, on recommençait, mais c'est sûr que quand on tombe et on recommence, c'est comme ça qu'on apprend. Alors, donc, après venait le petit saut, et ensuite, nous arrivions au grand saut. Alors, ce que j'ajoute quand même, que dans son cours, il y avait donc des filles et des garçons, ben, comme dans tous les cours. Mais dans toute la première partie du cours, avant de faire des pointes, nous faisions les mêmes mouvements. Et c'est pour cela aussi que d'ailleurs les danseuses développaient le ballon, le fameux ballon, donc, et les sauts au même titre que les garçons. Et les garçons développaient aussi le port de tête, la grâce masculine, évidemment, parce qu'il n'y avait jamais rien d'efféminé. Et toute cette tenue qui était indispensable. Alors donc, c'était le grand saut, mais qui était déjà aussi une variation, c'est-à-dire qui était assez long, et où on apprenait à avoir l'endurance pour pouvoir plus tard faire une variation et être déjà prêt pour pouvoir l'exécuter. Ensuite venaient les pointes. Les pointes, alors là, effectivement, on se divisait pendant qu'on changeait les chaussons. C'était les garçons qui faisaient des pas de garçons. Et comme Madame Egorova avait une connaissance et une mémoire infaillible, et qu'elle avait donc travaillé, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les plus grands maîtres, les grands ballets qu'elle avait dansés donc en Russie, puisque on n'oublie pas qu'elle a été une très grande étoile et qu'elle a dansé. Surtout le lac des Cygnes, où elle a été, je crois, l'interprète extraordinaire, et aussi évidemment la Belle au bois dormant, enfin tous les ballets. Donc, elle introduisait déjà dans son cours des petits morceaux du répertoire, ce qui nous déjà forçait à l'apprendre, et c'était extrêmement précieux, parce que l'après-midi, bon, elle avait, enfin, j'en viendrai plus tard à cela. Elle avait donc des cours particuliers où elle apprenait justement le répertoire. Toujours Pierre Lacotte dit que Guylaine Tesmar et Michaël Denard sont venus chez elle pour apprendre le répertoire, qu'elle montrait superbement avec toutes les nuances et tout ce qu'il fallait.
Déjà au cours, il y avait des tout petits morceaux, et là, effectivement, les garçons, elles prenaient bon, un petit morceau de la variation de Gisèle, ou du Lac des Cygnes, ou de Don Quichotte, et ils faisaient cela. Donc, déjà, ils étaient préparés, et j'insiste dessus, à la scène. Ensuite, nous mettions les pointes, et les pointes, bon, ça se passait suivant ce qu'on fait aussi. Toujours, étant donné que tout doit être progressif dans le corps humain, nous faisions les échappées, les relevés et tout l'apprentissage de bien tenir sur pointe. Évidemment, quand on était des enfants, enfin comme je l'étais, comme vous savez, les pointes, j'en reviens à Black Swan, on voit les pieds en sang avec des gros plans, et bien j'allais dire, c'est chose normale. Ça n'est pas quelque chose de dramatique, parce que moi je suis passée par là comme tout le monde, étant donné que les pieds des jeunes enfants sont tendres, les ongles ne sont pas, enfin je vais dire fort, et pour faire les pointes, qui n'est pas vraiment une position naturelle, il faut donc s'habituer, renforcer les ongles, la peau devient beaucoup beaucoup plus dure, et de toute façon le pied d'un danseur est quand même un peu déformé. Mais on passe par cet apprentissage, on met du coton, et je me rappelle quand j'avais personnellement 6 ans et demi, j'ai dansé à la salle PL, j'avais fait des danses, j'ai retrouvé le programme. C'est vrai, j'avais des ampoules, j'avais mal aux pieds et tout, mais le bonheur de danser faisait d'abord sur scène qu'on oublie tout et qu'on peut passer à travers la douleur sans problème. Et puis à un moment donné, il n'y a plus de douleur, comme tout, ça y est, les ongles sont endurcis, les pieds sont endurcis, il n'y a même plus besoin de mettre de coton. Mais malgré tout, Madame Egorova y allait très très progressivement, et on faisait donc des échappées, des relevés très doucement pour chauffer les pieds. Et surtout, elle nous apprenait une chose évidemment très importante que les professeurs connaissent bien, c'est-à-dire qu'il fallait jamais grimper sur les pointes, mais il fallait tenir le corps suspendu pour que le corps ne pèse pas trop sur les pieds. Et plus le corps était suspendu en haut et plus nous étions légères, moins le pied avait d'effort. Souvent, je vois quelquefois des jeunes danseurs qui, ce que j'appelle, grimpent ou sautent sur les pointes. Effectivement, l'effort est tellement violent et le pied reçoit un tel choc que c'est extrêmement difficile. Donc on faisait ces pointes avec évidemment tout de suite une très jolie musique, ce qui nous encourageait énormément à les faire. Ensuite venait de nouveau un pas des garçons. Alors là, c'était de la virtuosité avec les tours en l'air, les entrechassis, les batteries. J'ai oublié de vous dire aussi que après les petits sauts, il y avait évidemment les petites batteries. Et donc pour les filles et pour les garçons. Après avoir fait donc cet exercice sur pointe, nous en venions, j'allais dire, au pas sur pointe, qui était pas un adage, mais disons le pas lyrique. Parce que dès le début, elle nous enseignait aussi la différence entre le lyrisme et, j'allais dire, son contraire, c'est-à-dire l'allegro et aussi la virtuosité et la façon de danser qui est totalement différente du lyrisme. Et en cela, on dit, et là je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est vrai qu'il y a des danseuses qui sont plus lyriques, par exemple elles danseront plus volontiers le Gisèle, le cygne blanc, on en a parlé dans Black Swan, que le cygne noir qui est son contraire. Mais je crois que, et j'en suis persuadée, qu'avec le travail, on peut arriver à avoir les deux dimensions. Madame Egorova me disait toujours, il ne faut pas travailler ce qu'on fait facilement, ce qu'on a tous tendance à faire, mais il faut travailler ce qu'on ne fait pas facilement. Et c'est vrai que moi, qui étais une danseuse lyrique, parce que j'ai dansé bon, Roméo Juliette et ce genre de ballet, j'ai été appelée aussi à faire le cygne noir ou à créer l'Atlantide d'Henri Domasi, qui était justement le contraire de personnage, du lyrisme. Et même si au début j'ai eu du mal parce que c'était pas mon tempérament, j'y suis arrivée et ça a été un grand enrichissement de trouver en soi des possibilités inexplorées pour justement avoir l'autre dimension. Et pour une artiste,
Et pour le professeur, je pense que c'est très important d'insister, et pour le maître ballet aussi, pour aider le danseur à percevoir cette autre dimension qu'on a en soi-même. Alors donc déjà, dès le cours de danse, Madame Egorova nous faisait percevoir cette différence. C'est-à-dire qu'après le premier exercice des pointes, qui était donc très allégro, très précis, tout cela, elle nous demandait quelque chose qui était lyrique, c'est-à-dire la suspension sur pointe, qui était, j'allais dire, peut-être l'introduction à Gisèle. Le premier pas sur pointe étant l'introduction à Don Quichotte, qui est donc d'une facture tout à fait différente de Gisèle. Et déjà, on rentrait dans ce lyrisme, et aussi une chose très importante que nous a appris Madame Egorova, et là je tiens à le dire, je pense que ça peut servir aux danseurs et professeurs, elle nous a appris aussi ce qui se passait entre les pas. Parce que on attache évidemment énormément d'importance aux pas principaux. Bon, je prendrais, je ne sais pas moi, le tour par exemple, mais la préparation du tour est tout aussi importante que le tour. Et la finition du tour aussi. Et puis après le tour, il faut passer à un autre pas. Alors comment on passe de ce pas à cet autre pas? Et là, la continuité de ce mouvement est essentielle et je remarque que très souvent on l'oublie. Alors elle nous faisait travailler, c'est ce que j'ai fait aussi par la suite quand j'ai dansé les rôles, le lier entre le premier pas et le deuxième et surtout comment on allait passer les bras d'un moment à l'autre. Or, c'est un travail très important auquel on ne pense pas beaucoup. Et c'est pour ça que quelquefois, on voit des danseurs faire des pas très principaux très bien, mais la préparation est justement une préparation, ça n'est pas un pas de danse. Et la finition du pas n'existe pas non plus, et surtout le passage du pas. Donc, dans ce pas lyrique, elle s'attachait à cela. Et aussi, elle s'attachait à une chose, bon, qui m'a été extrêmement utile et qui a été utile à tous les danseurs qui ont travaillé avec elle, c'est-à-dire à la respiration et à le lâcher prise. Vous me direz, le lâcher prise est une notion tout à fait philosophique en fin de compte, mais c'est aussi cela dans la danse, c'est qu'il faut faire attention de ne pas toujours être en tension. Il faut pouvoir lâcher pour reprendre. Et c'est ça qui donne la couleur au mouvement, parce que si on est toujours tendu, on voit quelquefois des danseurs qui sont toujours dans l'effort, toujours tendus. D'abord, c'est pénible pour eux, c'est pénible pour le spectateur. Et ensuite, ils ne récupèrent pas. Et je dirais après, il n'y a pas de différence entre les mouvements. Or, le lâcher, évidemment, une chose qui ne lâche, j'allais dire pratiquement jamais, c'est le bassin. Mais par contre, tout le torse doit lâcher pour ensuite respirer et s'élever vers le haut. La même chose dans le plié, parce qu'il y a des pliés qui sont secs, mais il y a des pliés qui sont moelleux, et c'est ce plié qui va donner la possibilité de s'élever ensuite, et il y aura une grande différence entre l'élévation et le plié qui est son point de départ. Enfin, c'est donc toutes les contrastes qui fait que la danse est riche et vous permet tout simplement de danser. Donc après ces pas lyriques, on arrivait au coda. Alors la coda, dans un sens, on suivait le processus qui existe dans tous les pas de deux, où effectivement il y a un adage, il y a la variation de la fille, la variation du garçon. Et à la fin, il y a la coda. Mais la coda, c'est évidemment des exercices de virtuosité, des tours, des manèges. Il y avait plusieurs façons de l'aborder. Beaucoup de danseurs sont très très crispés en faisant cette coda, parce que c'est sûr qu'il faut une virtuosité, qu'il faut avoir de l'équilibre, qu'il faut, quand on fait des fouettés, avoir l'endurance. Et c'est sûr que l'endurance, on l'acquiert en répétant chaque fois les mêmes mouvements et ensuite ça devient facile, c'est ça qui est extraordinaire. Mais en même temps, c'est de la danse. C'est pas seulement des mouvements de virtuosité. Et pour cela, il faut s'habituer à le faire d'une façon aussi où il y a
une joie de l'accomplir, une joie d'accomplir ses prouesses, une espèce de défi aussi, une espèce de défi à soi-même et de défi envers le public. Et quand on l'aborde comme ça, c'est aussi une autre façon de le voir. Et en même temps, il faut le faire, j'allais dire, bon, comme beaucoup de pas de deux, comme une princesse, c'est-à-dire, ou comme une reine, si vous voulez. Pas d'une façon évidemment apeurée ni inquiète, mais au contraire, j'allais dire, foncer dedans. Et à la fin, c'est d'ailleurs l'apothéose du ballet, le public ne s'y trompe pas, il applaudit à corps perdu parce qu'il sent cette victoire chez le danseur, cette prouesse qu'il a accomplie, cette joie de l'effort qui a précédé, et un peu exactement comme l'alpiniste qui monte sur la montagne et qui arrive au sommet et qui exulte. Bon, je vous ai raconté tout ça un peu pêle-mêle parce que, comme je dis, il y a tellement de choses à dire sur ce que Madame Egorova nous apporte et nous a apporté, puisque c'est le passé, mais pour moi, elle est toujours présente. C'est pour ça que je dis nous apporte, parce que, comme toujours, les grands professeurs qui nous ont imprégnés, qui nous ont appris, ils sont toujours présents, et que quand moi, maintenant, je donne les cours, je me rappelle chaque mot qu'elle me disait, et j'essaie de le transmettre à des élèves qui, j'espère, eux le transmettront à d'autres, parce qu'en fin de compte, on est dépositaire de ce qu'on a appris, on n'est pas propriétaire, et ça c'est aussi important de le sentir, et il faut que ça soit une chaîne dans la danse, où on donne à des plus jeunes, et les plus jeunes donneront à d'autres, et c'est pour ça que, j'allais dire, la jalousie et la compétition, je dirais, est quelque chose de à côté au fond. Parce que, d'abord, chacun a ses qualités. Chacun, donc, apporte quelque chose de différent, puisque chaque être humain est unique. Et en plus, comme je dis, on est dépositaire des choses, et c'est un devoir, en fin de compte, et une mission aussi de pouvoir l'apporter, les uns aux autres. Et il y a une chose que je voulais donc aussi dire, quand même. Donc là, j'ai parlé du cours de Madame Egorova. Et j'ai parlé tout à l'heure du répertoire. Parce que apprendre le répertoire, c'est extrêmement difficile. Parce que ça n'est pas les pas qui sont... Enfin, les pas sont très importants, mais c'est surtout la façon dont on va faire les pas et le style que l'on aura dans ces chorégraphies de ces grands maîtres, Petit Pas, Fokine, Ivanov et d'autres. Alors, Madame Egorova, qui justement avait dansé tous ses rôles, qui les sentait profondément, parce que non seulement donc elle était un merveilleux professeur, elle avait été une grande danseuse, mais elle était aussi une grande artiste. Et donc, elle nous transmettait cela sur le plan de la technique, mais aussi sur le plan artistique. Et on abordait donc ses rôles, évidemment, en la regardant extasiée quand elle nous montrait, parce que c'était tellement juste, mais avec l'émotion. Parce que bon, bah, si on prend Gisèle ou Lac des Cygnes, c'est un rôle dramatique. C'est un rôle qui doit faire vibrer le spectateur jusqu'à l'émotion intense. Il y a aussi de la gaieté, parce que bon, dans le premier acte de Gisèle, il y a des choses très gaies et tout cela, il y a ce mélange. Mais pour que le danseur artiste puisse transmettre cela, il faut qu'il le ressente en lui profondément, parce que là, on ne peut pas tricher. On fait cela avec soi-même, c'est-à-dire avec ce qu'on ressent intérieurement. Et c'est tout un travail d'intériorité qu'il faut transmettre à travers le mouvement de la danse. Et là, évidemment, il faut oublier la technique, c'est-à-dire la technique doit être tellement maîtrisée que c'est aussi un moyen. Et il faut donc, à travers ces mouvements, transmettre l'émotion. Une autre chose très importante, c'est le style. Parce que le style du répertoire est quelque chose de très délicat. Les épaulements, alors grâce à Madame Egorova, on a appris, et ça on le sait, mais je le dis, je le redis, dès enfant, on a appris les épaulements, comment on tenait la tête, comment on se plaçait par rapport à l'espace et tout cela. Donc on était déjà préparé
à faire ces variations. Beaucoup plus difficile, c'est des danseurs qui ne sont pas préparés par les cours à la tenue du corps dans l'espace et aux épaulements. Donc, il faut tout leur réapprendre à travers la variation. Mais comme on était déjà préparé, on avait déjà le style et c'était donc beaucoup plus facile. Mais malgré tout, pour acquérir ce style, pour travailler tous les détails, tous les contrastes d'une variation, j'allais dire, Madame Egorova était extraordinaire. D'ailleurs, il n'avait qu'à la regarder pour pouvoir les accomplir. Et c'est pour cela aussi, d'ailleurs, qu'avec Pierre Lacotte, on a le projet, et même pas le projet, on va le faire certainement avant l'été, de montrer des variations du répertoire en transmettant ce qu'on a appris par Madame Egorova. Et aussi, on a eu aussi d'autres grands professeurs, évidemment, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une mission de perpétuer tout ce qui nous a été donné et de le transmettre. Et donc là, maintenant, je tiens à dire à Madame Egorova, merci, merci de tout ce qu'elle nous a apporté, et elle est toujours là parmi nous.